maintenant glorifié devant lui qui lava nos pieds. Nous voilà prosternés. Celui qui prit tous nos péchés revêt la majesté, l'éclat de son amour parfait, révélé pour toujours. Ton nom est victorieux, louange à toi. Christ notre roi, ton nom est victorieux. Louange à toi, Christ notre roi. Chassé désormais devant Christ notre Père, son dernier soupir à la croix maintenant vit en moi. Oh, 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 oh. Ton nom victorieux, louange à toi, Christ notre roi. Ton nom est victorieux, louange à toi, Christ notre roi. Je renais de la fosse, je m'élève. Le roi ressuscité me redonne la vie. Par ton nom je suis sauvé, ta victoire je peux clamer. Le roi ressuscité me redonne la vie. Par ton esprit je renais de la fosse, je m'élève. Le roi ressuscité me redonne la vie. Par ton nom je suis sauvé, ta victoire je peux clamer. Le roi ressuscité me redonne la vie. Par ton esprit je renais de la fosse, je m'élève. Le roi me redonne la vie. Par ton nom je suis sauvé, ta victoire je peux clamer. Le roi ressuscité me redonne la vie. Par ton esprit je m'élève de la fosse, je m'élève. Le roi ressuscité me redonne la vie. Par ton nom je suis sauvé, ta victoire je peux l'amener. Le roi ressuscité me redonne la vie. Oh, 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 ta victoire est remportée et je suis sauvé. Tombe fut gardée, la pierre fut roulée, la mort n'a pu l'emprisonner.
Christ est ressuscité. Christ est ressuscité. Thank you.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Très heureux de se retrouver pour ce nouveau rendez-vous de la Cité de Lumière. Donc la Cité de Lumière, vous pouvez nous retrouver sur Facebook, YouTube ou sur notre site internet citedelumiere.fr. Vous pouvez nous retrouver donc tous les lundis, mercredis et vendredis à 20h30 et pour le culte en direct du dimanche matin aux alentours de 10h30. Pour le direct, et si vous souhaitez venir vous joindre à nous, et ce sera un plaisir de pouvoir partager ces moments-là avec vous, à louer notre Dieu, vous pouvez venir à 9h30, 46 rue du Faubourg Sermorens, 38 500 Voiron. Donc, la Cité de Lumière, c'est une église où nous vivons des moments de prière, de louange, d'enseignement, de guérison et de miracles. Et nous vivons vraiment des bonnes choses avec le Seigneur. Donc je vous invite vraiment à venir vous joindre à nous un dimanche matin et à vivre tous ces moments ensemble. La Cité de Lumière, c'est les pasteurs Louis et Suzanne Lombardo, accompagnés d'une équipe pastorale et de nombreux chrétiens qui sont engagés pour servir Dieu. Remerciements particuliers donc à tous ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Vous êtes de plus en plus nombreux de différents pays. Et c'est vraiment une joie de pouvoir partager régulièrement la parole de Dieu avec vous. Remerciements à tous les membres de l'Église qui suivent aussi tous ces moments et aussi à notre pasteur pour tous les messages inspirés qu'il apporte actuellement et pour tout son investissement aussi pour tous les membres de cette Église et aussi d'autres personnes qui ne sont pas membres et qui font aussi appel régulièrement à lui. Donc vraiment un grand merci à notre pasteur pour son engagement. J'aimerais partager avec vous donc le thème, c'est labourer. J'ai parlé la dernière fois de la moisson. Et pour arriver à la moisson, il y a différentes étapes. Et une des premières étapes, c'est de labourer le champ. Et j'aimerais, j'avais lu déjà la dernière fois, mais j'aimerais relire dans Luc 10, verset 2. Il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. C'est vraiment un temps particulier, ce que nous vivons actuellement. Un temps où on sent que la moisson est bientôt prête. Un temps où on sent que Dieu est en train d'agir au milieu de nous, mais aussi autour de nous. J'avais lu aussi dans Proverbe 20, versets 4 et 5, à cause du froid, le paresseux ne laboure pas. À la moisson, il voudrait récolter, mais il n'y a rien. On voit là le paresseux qui n'a pas envie de se lever, qui n'a pas envie de s'investir, qui n'a pas envie de se bouger, quel que soit le temps à l'extérieur, je vous encourage vraiment à ne pas être paresseux, mais à être engagé pour Dieu, engagé pour le servir. Et donc, j'aimerais lire avec vous dans la Bible, dans Genèse 4, versets 2 à 8. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. On voit que ils ont deux services différents. Un, Abel qui est berger, et Caïn, lui, qui est laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre, des fruits de son travail, des fruits de toute la sueur qu'il avait pu avoir en labourant, en cultivant. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Et on voit que l'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Il porta un regard favorable sur le berger. Et
On voit aussi que dans la Bible, on parle de Jésus comme étant le bon berger. Il a jamais été dit Jésus le bon laboureur, mais le bon berger, celui qui s'occupe des autres. Et on voit donc qu'il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Pourtant, Caïn a beaucoup travaillé. Caïn a fait beaucoup de choses. Mais Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Pourquoi? Est-ce qu'il faisait cela pour avoir de la reconnaissance? Il a apporté à Dieu, il était l'aîné des deux frères. Il a laissé dans son cœur des choses pas bonnes grandir. Pendant le temps où il travaillait, ah, peut-être qu'il était heureux de pouvoir après vite apporter une offrande à Dieu. Mais est-ce que c'était pour de la reconnaissance? Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi domines sur lui. On voit là que l'Éternel donne une chance à Caïn. Si tu agis bien, ok, tu t'es irrité, demande pardon. Si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Ton visage qui est abattu par rapport à justement cette irritation que tu as eue vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de ton frère. Mais si tu agis bien en demandant pardon, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Le péché est proche de toi. Il est à la porte. Et ses désirs se portent vers toi, les désirs de la chair. Mais toi, domine sur lui. Domine sur toutes ses tentations. Domine, prends le dessus sur toutes ses rancœurs, sur toute cette irritation. Et agis bien. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Comme il était dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Il n'a pas agi bien. Sinon, il se serait relevé. Il aurait continué à labourer, à préparer le terrain. Mais là, il a laissé agir le mal à sa porte. Il a laissé les désirs de la chair prendre le dessus, alors qu'il avait été dit, mais toi domine, domine ces désirs, domine le péché, domine ces rancœurs en demandant pardon. J'aimerais lire aussi dans Ésaïe 28, versets 23 à 29. Prêtez l'oreille et écoutez ma voix. Soyez attentifs et écoutez ma parole. Celui qui laboure pour semer, laboure-t-il toujours? Ouvre-t-il et brise-t-il toujours son terrain? N'est-ce pas, après en avoir aplani la surface, qu'il répand de la nielle et sème du cumin, qu'il met le froment par rangée, l'orge à une place marquée, et l'épeautre sur les bords. Et là, on voit
une chose. Le laboureur aplanit la surface. Il fait des sillons dans le terrain pour pouvoir semer. Mais ce n'est pas fait n'importe comment. Il y a des endroits où on sème. Il y a des endroits où on met le froment par rangée. L'orge a une place marquée. L'épeautre sur les bords. Ce n'est pas fait n'importe comment. Ce n'est pas chacun fait comme il veut. Il y a un ordre. Son Dieu lui a enseigné la marche à suivre et il lui a donné ses instructions. Écoute les instructions de Dieu. Laisse-toi enseigner sur les marches à suivre. Ne cherche pas à brûler les étapes ou à semer là où il ne faut pas semer ou à ranger ou à mettre le froment ailleurs que dans les rangées prévues pour ça. Laisse-toi instruire. On ne foule pas la nielle avec le traîneau et la roue du chariot ne passe pas sur le cumin, mais on bat la nielle avec le bâton et le cumin avec la verge. On voit qu'il y a différents outils, différentes façons de faire pour chaque chose. N'essaye pas de reproduire certaines choses. On bat le blé, mais on ne le bat pas toujours. On y pousse la roue du chariot et les chevaux, mais on ne l'écrasera pas. Cela aussi vient de l'Éternel des armées, admirable est son conseil et grande est sa sagesse. Demande cette sagesse à Dieu. Écoute ses conseils, écoute ses serviteurs qui sont là pour être les bergers. On voit tout à l'heure que Caïn et Abel, s'ils avaient travaillé ensemble en tant que laboureurs et bergers, il y aurait eu des fruits magnifiques, un bétail magnifique. Pas de jalousie au milieu de nous. Pas de rancœur, mais travailler ensemble et sous une couverture spirituelle. Pas comme on veut, mais écoutons les conseils. Écoutons les démarches à suivre. Laissons-nous instruire. Dans Amos 9, versets 13 à 15, voici les jours viennent, dit l'Éternel, où le laboureur suivra de près le moissonneur. Les temps sont en train de s'accélérer. À peine le moissonneur est passé que le laboureur va arriver pour vite préparer le terrain. Et celui qui répand la semence, où le moût ruissellera des montagnes et coulera de toutes les collines. Donc le laboureur suivra de près le moissonneur, et celui qui foule le raisin, celui qui répand la semence. Là aussi, à peine le raisin est ramassé et foulé, que déjà la semence est là, prête. C'est le temps, une accélération des temps. Et le moût ruissellera des montagnes et coulera de toutes les collines. Je ramènerai les captifs de mon peuple d'Israël. Ils rebâtiront les villes dévastées et ils les habiteront. Ils planteront des vignes et en boiront le vin. Ils établiront des jardins et en mangeront des fruits. On voit là plusieurs choses. Ramener les captifs, bâtir des villes, labourer, travailler pour planter des vignes, établir des choses, et alors ils en mangeront le fruit. Je les planterai dans leur pays et ne seront plus arrachés du pays que je leur ai donné, dit l'Éternel ton Dieu.
Respectons toutes les choses, toutes les étapes. Et les étapes, comme je dis, sont en train de s'accélérer. Elles vont arriver très vite les unes derrière les autres. Ne soyons pas brouillons dans ce que nous allons devoir faire. Mais soyons ordonnés. Dans Luc 17, versets 5 à 10, les apôtres dirent au Seigneur, « Augmente-nous la foi. » Quelle belle parole des apôtres. Seigneur, augmente-nous la foi, donne-nous plus de foi. Mais le Seigneur leur répond, si vous aviez de la foi, si vous aviez de la foi, en quelque sorte, pourquoi vous me demandez d'augmenter quelque chose en vous alors que c'est de votre responsabilité d'avoir de la foi? Si vous aviez de la foi comme un grain de sénevé, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. Jésus n'est pas en train de leur dire, « Ok, ben je vais augmenter la foi en vous. » Non. Il met les apôtres devant leurs responsabilités. Il met les chrétiens devant leurs responsabilités. Si vous aviez de la foi, vous diriez et il vous obéirait. La suite de ce passage, qui de vous ayant un serviteur qui laboure ou paie les troupeaux? On voit, là aussi, il y a les deux notions. C'est marrant, labourer. On a vu tout à l'heure, Abel et Caïn. L'un laboureur, l'autre berger. Qui de vous, ayant un serviteur qui laboure ou paie les troupeaux, lui dira quand il revient des champs, approche vite et mets-toi à table. Il ne lui dira pas au contraire, prépare-moi à souper, seins-toi et sers-moi jusqu'à ce que j'aie mangé et bu, et après cela, toi tu mangeras et boiras. Doit-il de la reconnaissance à ce serviteur parce qu'il a fait ce qui lui était ordonné? Est-ce que tu fais tout ce que tu... tous tes engagements, est-ce que tu le fais pour toi? Est-ce que tu le fais pour avoir de la reconnaissance? Dans quel état d'esprit es-tu? Es-tu dans l'état d'esprit du laboureur qui s'irrite parce que le Seigneur ne lui dit pas « Merci, c'est bon, c'était très bien. » Il a préféré l'offrande d'Abel. Ça ne veut pas dire qu'il a pas apprécier l'offrande de Caïn. Ne faisons pas les choses pour avoir une quelconque reconnaissance. Oui, à vous dire un merci. Mais ne le faisons pas dans cet état d'esprit-là. Soyons reconnaissants, sachons dire merci aux autres, ça c'est sûr. La suite, vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce que nous devions faire. Quand tu es à ton travail, tu as un chef qui te dit ce qu'il y a à faire et tu le fais? Tu le fais pas pour avoir une reconnaissance.
Tu le fais parce que tu dois le faire. Tu dois être soumis. Dans l'Église, c'est pareil. Soyons comme des serviteurs inutiles. Pas inutiles dans le sens de ne rien faire, d'être paresseux. Au contraire, soyons très utiles. Mais ne cherchons pas la reconnaissance pour juste les choses que nous devons faire. Dans 2 Timothée 2, versets 3 à 6, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Je vous invite à venir souffrir avec nous, à transpirer avec nous, à labourer avec nous. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Ce n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il a combattu suivant les règles. S'il n'a combattu suivant les règles. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Ne soyons pas paresseux. Soyons dans l'action. Nous avons une action, une association qui est tournée vers la ville, qui s'appelle Art en Action. La notion d'action, d'être acteur. Pas pour recevoir une reconnaissance, pour faire ce qu'il y a à faire. Comprends ce que je dis. Car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Sois dans l'action. Dans Jacques 5, versets 7 à 18, soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur attend, le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. La patience envers les frères, envers ton épouse, ton époux, tes enfants, tes parents, tes frères et sœurs, tes amis, tes voisins, tes collègues. Soyez patients. Vous aussi soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Ne vous plaignez pas les uns aux autres, ou les uns des autres, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici le juge est à la porte. Prenez mes frères pour modèle de souffrance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous disons, bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job? Oh oui. Vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Et c'est ce qu'il désire pour nous, que nous soyons pleins de miséricorde et de compassion, les uns envers les autres. La suite de ce passage. Avant toute chose, mes frères, ne jurez pas par le ciel, ni par la terre, ni par aucun autre serment, mais que votre oui soit oui, que votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. Prenons le temps à la réflexion, ne disons pas oui trop vite ou non trop vite. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Si tu es dans la souffrance, prie. Si tu es dans la joie, chante. Quelqu'un parmi vous est-il malade?
qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière, le résultat, la prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. S'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste est une grande efficace. Élie était un homme de la même nature que nous, que toi, que moi. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point et ne tombât point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau et le ciel donna de la pluie et la terre produisit son fruit. Les semences ont été pendant 3 ans et 6 mois, 3 ans et demi, dans la terre, sèche. Peut-être que tu as l'impression que ta vie a été sèche pendant 3 ans et demi, ou pendant plus longtemps ou moins longtemps. Mais le temps arrive, de la pluie, de l'arrière-saison. Le temps arrive où il faut prier de nouveau pour que la pluie du ciel vienne arroser cette région, la région où tu habites, le pays où tu habites, vienne arroser l'Église. Et la terre produisit son fruit. C'est le temps, mes amis, d'être dans l'action. C'est le temps de ne pas être paresseux. C'est le temps de prier pour cette pluie. Parce que la moisson est là. La moisson arrive. Il est temps de labourer. Et que le laboureur soit avec le pasteur, celui qui s'occupe des brebis. Ensemble, pas chacun dans son coin à faire sa propre chose, ses propres choses, ses propres désirs même. Soyons des acteurs, ayons une couverture spirituelle. C'est important. Il y a beaucoup de choses qui se font, qui sont bien, qui sont très bien. Mais malheureusement, quand il n'y a pas une couverture spirituelle, c'est très dangereux. Soyez investis dans ce que Dieu a établi, son Église. Je vous remercie de m'avoir écouté. Vous pouvez, comme je l'ai signalé, nous suivre sur YouTube et Facebook. Et si vous souhaitez nous aider aussi financièrement pour pouvoir encore améliorer les choses au niveau des diffusions, vous pouvez faire un don sur le site citedelumiere.fr. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté et j'espère que cela vous a parlé et que vous allez avoir du zèle pour toutes les choses de Dieu et de l'amour les uns pour les autres. À bientôt. Soyez bénis.